Les ibis sont des oiseaux de taille moyenne à grande, avec un corps élancé et des pattes longues. Ils ont un cou allongé et un bec courbé vers le bas, caractéristiques de la famille des Trescornithida à laquelle ils appartiennent. Les plumes des ibis sont généralement de couleur blanche, crème ou grise, mais certaines espèces ont des parties du corps colorées, telles que le visage, le cou ou les ailes. Il existe de nombreuses espèces d'ibis à travers le monde. Voici quelques-unes des espèces d'ibis les plus connues. Ibis rouge, Eudocimus rubé, également connu sous le nom d'ibis écarlate, l'ibis rouge est originaire d'Amérique du Sud et est célèbre pour son plumage rouge vif. Il a un bec long et courbé vers le bas et des pattes roses. Ibis sacré, Trescornis aethiopicus. L'ibis sacré est originaire d'Afrique subsaharienne et est également présent dans certaines parties du Moyen-Orient. Il a un plumage principalement blanc, un visage nu-noir et des pattes noires. Il est également connu pour son bec courbé vers le bas. Ibis chauve, Geronticus eremita. L'ibis chauve est une espèce rare et en danger critique d'extinction. On le trouve principalement dans le sud de l'Europe et l'Afrique du Nord. Il a un plumage gris et un visage et un cou nu de couleur rouge vif. Contrairement à d'autres ibis, il a une crête de plumes sur le sommet de la tête. Ibis falcinelle, Plegadis falcinellus, l'ibis falcinelle est une espèce d'ibis de taille moyenne qui se trouve en Europe, en Asie et en Afrique. Il a un plumage brun foncé, des pattes et un bec noir, et un visage nu-rosâtre. Son nom, falcinelle, fait référence à la forme recourbée de son bec. Ibis blanc, Eudocimus albus, l'ibis blanc est un ibis de grande taille que l'on trouve dans les régions côtières et les marais des Amériques. Il a un plumage entièrement blanc, un bec long et courbé vers le bas, et des pattes noires. Les jeunes ibis blancs ont un plumage grisâtre qui devient blanc à maturité. Ibis vert, Mesembrinibi cayennensi, l'ibis vert est une espèce d'ibis que l'on trouve en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il a un plumage vert éclatant, un bec jaune et des pattes noires. Son plumage vert le distingue des autres espèces d'ibis. Le bec des ibis est long et mince, légèrement recourbé vers le bas. Il est utilisé pour sonder dans la boue ou l'eau peu profonde à la recherche de nourriture, telles que des invertébrés aquatiques, des poissons ou des petits crustacés. Certains ibis ont un bec plus long que d'autres, adapté à leur régime alimentaire spécifique. La couleur du plumage des ibis varie selon les espèces. Certaines espèces ont un plumage principalement blanc avec des touches de noir ou de gris sur les ailes ou la queue. D'autres espèces, comme l'ibis rouge, Eudocimus rubé,
ont un plumage entièrement rouge vif. Certains ibis ont également des taches ou des motifs distinctifs sur le visage, le cou ou les ailes, qui peuvent varier du blanc au noir selon l'espèce. Les ibis varient en taille, mais en général, ils mesurent entre 55 et 75 cm de longueur, avec une envergure d'aile allant de 90 à 120 cm. Certains ibis, comme l'ibis chauve, Geronticus eremita, peuvent être plus grands, atteignant jusqu'à 100 cm de hauteur. Les ibis sont présents dans différents habitats aquatiques, tels que les marais, les lagunes, les rivières, les estuaires et les zones côtières. Certains ibis vivent également dans les prairies ou les savanes sèches. Ils se trouvent sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Comportement, les ibis sont généralement des oiseaux grégaires, se regroupant en colonies ou en bandes pour se nourrir, se reposer et se reproduire. Ils sont souvent observés en train de sonder la boue ou de marcher lentement dans l'eau peu profonde, en agitant leur bec d'un côté à l'autre pour détecter leur proie. Les ibis sont également connus pour leur vol gracieux, avec leurs longues ailes déployées. Reproduction, les ibis sont généralement monogames et se reproduisent en colonies. Ils construisent des nids sur des arbres, des buissons ou des plateformes surélevées à proximité de l'eau. Les femelles pondent généralement de 2 à 4 œufs, qu'elles incubent pendant environ 3 à 4 semaines. Les deux parents participent à l'incubation et à l'élevage des jeunes. Régime alimentaire. Les ibis sont des oiseaux opportunistes en matière de nourriture. La plupart des espèces se nourrissent principalement d'invertébrés aquatiques tels que les crustacés, les mollusques et les insectes aquatiques. Ils sondent souvent la boue ou l'eau peu profonde avec leur long bec pour trouver leur proie. Certains ibis peuvent également consommer des poissons, des amphibiens, des petits reptiles et des petits mammifères. Certaines espèces d'ibis sont migratrices, parcourant de longues distances pour trouver des habitats appropriés et des sources de nourriture. Ces migrations peuvent être saisonnières ou liées aux conditions environnementales, telles que les variations des niveaux d'eau. Conservation. Certaines espèces d'ibis sont confrontées à des menaces telles que la perte d'habitat, la chasse et la pollution. Par conséquent, certaines espèces d'ibis sont classées comme vulnérables ou en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. Des mesures de conservation sont mises en place pour protéger ces espèces, notamment la création de réserves naturelles et la sensibilisation à leur importance. Signification culturelle. Les ibis ont une signification culturelle et symbolique dans différentes régions du monde. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, l'ibis était considéré comme sacré et associé au dieu Thoth, le dieu de la sagesse et de l'écriture. L'ibis est également présent dans la mythologie et les traditions de certaines cultures autochtones des Amériques.